Aujourd'hui, on est avec Papinou. Bonjour Papinou. Bonjour messieurs, je suis ravi d'être avec vous. Donc Papinou, c'est notre ancien du club, c'est notre doyen en quelque sorte. Hein, Papinou. Si, je tenais à faire cette interview parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue de la première génération. Pour moi, tu fais partie de la première génération des cultivateurs de bonsaï en France. Alors vous étiez nombreux à l'époque, et bien sûr, on pense toujours à Michel Sacal, mais il y en avait d'autres. Tu es toujours en train de cultiver des arbres, et je me souviens très bien que tu nous disais tout le temps « Je suis un botaniste, je ne suis pas un cultivateur de bonsaï, je ne suis pas un bonsaïka. » Voilà, tout à fait. C'est vrai, hein ? Je suis plus botaniste que bonsaïste. Et pourquoi ta formation, J'en ai aucune. T'en as aucune ? Je suis commerçant. Au départ, ouais. J'en ai aucune formation. Tu as commencé quand le bonsaï? J'avais une trentaine d'années. Donc on peut dire dans les années 60 alors? Là j'en ai, oui, 80 j'en ai maintenant. Raconte-moi la création du BCG, la création du Bonsaï Club Girondin. Alors le Bonsaï Club Girondin, moi j'étais à l'OPEA. J'avais fait monter une exposition avec Claudie Vessière. Au cours de cette exposition, il y a Michel qui est passé. Michel Sacal, oui. Avec qui on a parlé, beaucoup. Il me dit, tu sais, il me dit, moi j'aimerais bien venir à votre club. Bon, alors, si tu veux, il n'y a pas de raison. Oui, seulement moi, je n'étais pas monsieur Montfuga. Donc il est venu au club, seulement Michel. Il n'avait pas le caractère de se faire mener. Lui, il voulait mener. Et il a demandé à Montfuga d'être président de notre section. Et monsieur Montfuga lui a dit, monsieur lui dit... Dans les statuts. Voilà, avoir un vécu de 1 an dans l'association pour pouvoir prétendre à monter. Bon, ben, il a dit, monsieur, bon, c'est pas grave. Et c'est là que Michel a monté le club. Puis finalement, je suis parti avec Michel. D'accord. Et c'est là que je suis devenu trésorier. Et puis qu'on a fini comme ça. Que vous avez créé le club. Voilà. Donc c'était 1994. Tu as fait quand même beaucoup de choses. C'était ce qui nous rapportait un peu de sous parce qu'on n'avait pas d'argent. Et oui. Donc il fallait. Donc fallait on faisait quand même payer un peu les entrées, pas cher. Mais... Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de monde parce qu'évidemment, le pénalisé là-dedans, c'était moi parce qu'il fallait que je tienne l'entrée. Toujours, tu as tenu l'entrée, la caisse souvent, tu étais trésorier. Et c'est là que je pense que Sébastien m'a vu un peu fatigué, certainement. Et il m'a dit un jour, au cours d'une réunion, je sais Papinou, si tu as besoin d'aide, je suis là, je t'aiderai. Oui, parce qu'il aime bien les maths, notre ami Seb. Hein. Donc Sébastien, oui. Il est derrière la caméra, hein, pour vous informer. Alors, il ne parle pas beaucoup. On va le voir venir. Et alors ? Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi ? Il se charge du cadre. Alors, donc, moi, je me suis arrangé à ce que tout tourne toujours bien rond. Et puis, ça a toujours bien tourné. Donner le cahier. Et voilà mon curriculum, si on peut dire. Oui. Non, mais c'est quand que même... Que je regrette pas du ça tout. Ça fait 50 ans de bonsaï. Parce que maintenant, tu vois, ça m'a... J'ai passé mon vécu parmi les arbres, parmi mon jardin, que je fais entretenir maintenant parce que... Je ne peux plus le faire. Eh oui, mais il est toujours aussi bien entretenu, ton jardin. Mais oui, mais quand je repense à tout ça et que je me promène dans mon jardin, eh bien, ça m'aide à accepter mon état. Pensez aussi à une chose, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément, mais à l'époque où tu commences le bonsaï, bon, déjà, il n'existe pas de livre,
il n'existe pas d'image ou de vidéo. Et en plus, on ne sait pas forcément prélever les arbres. Non, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire et on ne sait pas les faire reprendre. Et c'est là qu'il y a beaucoup de pertes. Mais tout ça, ça s'apprend. Et, oui. Et moi, j'ai appris tout ça sur le John Naka. Oui, ce livre, il est toujours... Enfin, moi, je le considère toujours comme une référence. Ah. Alors, c'est sûr qu'après, il a changé au niveau des substrats. Maintenant, on utilise d'autres substrats. Mais à l'époque, et toujours maintenant, ça reste une référence au niveau de l'esthétique mais même, et de la culture. Même au point de vue structure, oui. Je me souviens qu'avec Alain, on ligaturait, que je ne peux plus. Alain Arroux. On faisait des igouigouis. Oui, oui. Maintenant, ça ne se fait plus. Maintenant, ça ne se fait plus. Au départ du bonsaï, oui. On n'avait pas de substrat. Que faisions-nous? On allait sur le bord des routes de la DDE, on ramassait le petit gravier, on le lavait et on le mélangeait avec du terreau. Ah oui. C'était ça notre substrat. Ça marchait très bien. Ça marchait pas mal. Il suffisait simplement d'avoir quelque chose de drainant pour enlever cette compacité qu'il y avait avec le terreau. Quoi. Mais on en voit des gens aujourd'hui qui cultivent dans de la terre de jardin. On en voit. Ça marche, mais c'est très compact. C'est pas interdit, mais... Ça, il faut faire les arrosages en fonction du substrat. Le substrat dans lequel ils vendent dans les grandes surfaces, c'est pas mauvais, mais il faut savoir les rempoter. Déjà, ils sont dans de l'argile de Chine au départ. Voilà. Et le substrat que nous vendent aujourd'hui les grandes surfaces, souvent, c'est du terreau 95% avec 5% de pouzzolane. Et toi, alors, tes substrats, comment tu fais aujourd'hui quand tu rempotes? Eh bien, je fais avec les uns, avec les autres, ceux qui veulent bien venir. Ouais. Et puis, je fais avec de la kadama, de la lutite, de la pumice. Donc, et de la pouzzolane. Et de la pouzzolane. Tu mélanges et tu as des substrats drainants. Voilà, écoute, le pourcentage. Oui, on s'en fiche un peu. Je ne regarde pas trop. C'est un arrosage automatique. Un arrosage automatique qui n'est pas un goutte à goutte. D'accord. Parce que j'ai toujours été contre ça, parce que ça humidifie le pot toute la journée ou toute la nuit. D'accord. C'est pas ça que demande la plante. La plante, elle demande d'être inondée et séchée. Nous, je sais qu'on a la possibilité aujourd'hui d'avoir beaucoup de magasins, de professionnels qui se sont montés. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Ah, ben nous, on avait à ce moment-là, avec Michel, que Barber, qui nous a appris beaucoup de choses. Et c'est un magasin qui est toujours là. Aujourd'hui, Papinou, si tu voyais arriver un débutant dans le club, tu lui dirais quoi? Je lui dirais déjà bienvenue et merci d'avoir choisi le bonsaï. Maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux te le donner, tu m'appelles. Je lui dirai déjà, il faut que tu t'apprennes à prélever ou acheter même en grande surface et rempoter. C'est la première des choses à faire pour que ton arbre reprenne le cycle de ta bonsaïorée ou de toi. Après, il faut déjà savoir le faire pousser. Il ne faut pas toujours être en train de lui couper les petites pousses. Donc il faut laisser pousser, tailler, laisser pousser, tailler. Et là, on arrive à quelque chose. Il faut suivre l'évolution de la plante. Il y en a qui ont besoin de soleil, notamment les conifères.
Il y en a qui ont besoin de plus d'ombre. Parce que la plante, elle a besoin de son environnement. Et quand elle est habituée à son environnement, il ne faut pas la mettre sur le piano dans la maison, exactement, au fond de la salle. Ne pas mettre ses arbres à l'intérieur. Il faut les faire et les cultiver à l'extérieur. Mais bien sûr. Par contre, ils sont gélifs aussi, il y en a. De temps en temps, il faut les rentrer, l'hiver. Et l'hiver. Et il ne faut pas les chauffer. Il ne faut pas les chauffer. Il faut que ça soit simplement hors gel. Voilà. Et ma foi, moi j'arrive, j'ai des bougainvilliers. Tu arrives à tenir beaucoup de choses ici, oui. Beaucoup, beaucoup. Mais l'hiver, je les rentre. Je les mets dans des serres hors gel, tout simplement. Ah, ouais. Je ne sais pas jusqu'où ça va, ton histoire, là. Mais quand, à la Martinique, ils vont me voir, il y en a un, Xenio Baron. Comment il s'appelle ? Xenio Baron. Xenio Baron. C'est le président du Tropic Bonsai Club de la Martinique. Sur la chaîne, ça va se voir. Mais oui, t'inquiète pas, je pense à toi. Xenio, Thérèse, tous les deux. Notre ami Daniel qui est parti aussi, avec Michel. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde qui était passionné de bonsaï. Daniel, pas beaucoup. C'était surtout une amie sentimentale, mais elle faisait partie du club. Mm-hmm. Quand Xenio nous recevait, quand on allait en vacances, il y avait toujours Daniel qui était là. Et puis un jour, Xenio m'a téléphoné. Triste, il m'a dit, Daniel est parti. C'est difficile de voir partir les copains. Ah oui. On s'y fait pour les arbres, mais on s'y fait pas pour les copains. Non. Ah oui. Parce que dans le milieu du bonsaï, on se fait beaucoup, beaucoup de copains quand même. Tout à fait. Ouais. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, beaucoup de copains. Et on croise beaucoup de gens de partout. Des gens, le cas, hein. Des gens de bonne foi, des gens pas tous qu'on rencontre maintenant. Donc aujourd'hui, tu es quand même un petit peu affaibli. On voit que bon, tu as du mal à te mouvoir, tout ça. Tout à fait. Comment fais-tu pour utiliser, tu fais quand même, tu utilises tes outils, tu continues à tailler tes arbres? Ah ben oui, je les taille au maximum, ou je le fais faire par les uns, par les autres. Il y a Sébastien de temps en temps qui vient. De temps en temps qui vient. J'imagine que tous les arbres, tu les aimes beaucoup, mais si tu en as un ou deux à retenir, lequel ce serait? Un gros, le hêtre ou autre chose, carrément autre chose? En particulier le hêtre. En particulier... C'est lui qui m'a posé le plus de soucis par rapport à son ampleur et ce qu'il est maintenant. D'accord. C'est un arbre que tu as depuis combien de temps? Eh bien, il y a 50 ans que je l'ai. 50 ans que tu as ce hêtre? Oui, ou 45. Oui, on va peut-être pas jouer sur les mots 45 ou 50, c'est quand même un... Je l'ai prélevé en Ariège avec un gars de là-bas. Cet arbre ne rentrait plus dans sa voiture. Il me dit, Papinou, il me dit, je te le laisse, fais le reprendre. Il est resté là. Je lui ai fait sa reprise. Et avec Michel, on s'est amusé à compter les stries. Bon, on s'est arrêté à plus de 100. Oui, donc ça veut dire que c'est un arbre qui est multicentenaire. Et puis voilà. Tu as des animaux ici, tu as beaucoup d'animaux. Hein. Ah oui. Tu as des oiseaux? J'ai des calopsites. Alors, c'est quoi les calopsites? Des grosses perruches avec une crête. Hein. Ouais, avec une crête. Ouais. J'ai trois tortues. Tu as combien de carpe koi? 7 ou 8. 7 ou 8? Ces bassins à carpe, je les ai creusés à la pelle et à la brouette. J'avais pas de bulldozer. Donc en fait, tu as une personne qui vient toutes les semaines. Elle passe combien d'heures dans le jardin? Tout à fait. Il passe une journée par semaine ou dans le jardin ou dans les entourages. D'accord. Il s'occupe aussi des bonsaïs? Non. Non. Alors là, tu as une autre personne qui vient pour les bonsaïs? Les bonsaïs, c'est moi. Les bonsaïs, c'est toujours toi. Avec toutes les années d'expérience que tu as, Papinou, aujourd'hui, tu dirais que les gens ont bien évolué, ils connaissent mieux le bonsaï ou toujours pas? Plus, ils connaissent mieux que nous, bien sûr. Parce que nous, on a connu le bonsaï à notre départ. Oui. Avec mon ami parti Michel. Et on a fait des bêtises. Oui. De culture, tu parles. Hein? De culture. De culture, de reprise. C'est difficile de faire reprendre un arbre qui est dans la nature en pot. Écoute, tout à fait. Moi, je sais qu'ici, j'en ai qui... C'est plus que centenaire, certainement. Mmh. Tu as quand même gardé un certain nombre d'arbres. Je vois quand même sur les étagères, il y a beaucoup d'arbres encore que tu as. Ben oui, ben ce sont des arbres que j'ai récupérés au cours de mes promenades de-ci et de-là. Tu aimais bien prélever des arbres dans la nature? Les arbres et les pierres. Les arbres et les pierres, c'était ton dada.
C'est oui. toujours ton dada. Tout à fait. Ton évolution dans ta passion, ça a toujours été constant quelque part. Tout à fait. Le buis, on l'a mis en exposition, oui. ton buis là, oui. Que l'on voit, qui est quand même multicentenaire. Beaucoup d'émotions hein, sur cette interview parce que ça nous fait penser à plein de choses. Moi, je voulais vous faire partager ça à travers cette vidéo, vous montrer que ben, nos anciens aussi sont importants pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne et regardez dans les descriptions, il y a toujours des choses intéressantes. Merci Papinou pour cette petite interview. Merci à vous. Merci à cette bonne après-midi que je passe en votre compagnie. Allez, à très bientôt. Merci. Sur la chaîne. Au revoir. Voilà, au revoir.